Bah bonjour. Et re-coucou. Coucou Sabine, coucou Kyria, coucou Mélanie. Ah, je t'ai pas mis sur TikTok. Quoi? Je ne suis pas sur TikTok. Mais ça ne va plus, ça. Alors, donc je vous avais proposé ce soir de faire de la mise en couleur. Excusez-moi, j'essaie de m'installer correctement. J'ai du bazar sur mon bureau, c'est terrible. Tac, je me range un peu. Je vais descendre un petit tour aussi, je vais. Plus. Tac. Donc, Titouan a insisté pour qu'on colorie celui-ci. Donc, je me dis que je vais lui faire plaisir, je vais mettre celui-là en couleur ce soir. Si ça vous tente, donc si vous avez le cahier de coloriage, n'hésitez pas à ouvrir le cahier de coloriage à cette page-là pour qu'on fasse la petite mise en couleur tous ensemble. Je sais pas quelle heure il est, 9h41. Il n'y a pas grand monde, hein. Vous vous servez juste à petit. Oui, c'est pas grave, effectivement. C'est sûr, c'est pas un cours et c'était pas plus que ça. Oui, c'est vrai que normalement j'en avais parlé plutôt hier soir et puis hier soir j'avais vraiment hyper mal au dos. Donc c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber, j'avoue. J'ai pas été une gentille fille. Du coup, je vais ouvrir ma boîte de polychromos. Attends, je te leur ai montré un truc que tu ne voyais pas. Voilà. Donc, pour cette mise en couleur, nous allons utiliser des polychromos. Donc, des crayons de couleur. En vrai, même si vous avez des crayons de couleur. Attends, tiens ça. Ça marche aussi. Du coup, je te laisse. Hein. Ouais, ça roule. Merci beaucoup. Tac. Coucou Anne, je suis en train de m'installer là, j'étais pas tout à fait au point, donc je suis en train d'installer les affaires, je suis en train de prendre les trucs dont je vais avoir besoin et ranger les choses dont je ne vais pas avoir besoin pour les retrouver. Tac, la gomme là ce soir, il n'y a pas besoin, j'ai juste besoin de pinceaux, donc de crayons de couleur. Et de marqueur à alcool. Souvent je mélange un peu tout ça. Donc si vous n'avez pas de marqueur à alcool, vous pouvez utiliser des feutres. Ça marche aussi très bien. Donc voilà. Ah non, j'ai rangé le taille crayon. Mais non, le taille crayon, j'en ai besoin. Touk. Touk. Un peu d'eau aussi pour un peu d'eau pour l'aquarelle. Voilà. Tac. Et je pense qu'on commence à être pas mal. Coucou Bérangère. Bon ben c'est cool. Est-ce que vous avez pris est-ce que vous avez votre cahier de coloriage et est-ce que vous coloriez avec moi les filles ce soir? Dites-moi. C'est pour savoir si vous êtes prêtes, est-ce que j'attends, est-ce que vous êtes juste en mode vous regardez ou est-ce que vous coloriez aussi? Je sais qu'il y a des personnes que ça intéressait. Après, ouais, j'en ai juste parlé. Ah oui, Sam, j'en ai juste parlé pendant le live, mais je ne l'ai pas du tout... Ah ouais, donc forcément, ça va pas trop se savoir. Bon, bah tant pis. Hein. De toute façon, au pire, ça restera. Donc les gens pourront toujours le revoir après. Donc, je vais commencer avec du marqueur à alcool. Non, le tout premier truc... Non, si. Je commence avec du marqueur à alcool. Donc, il faut que je choisisse... Qui c'est qui m'a mis ça là-dedans? Ça va pas dedans, ça. Tac. Je vais faire mon loup. Je sais pas les couleurs que je vais utiliser encore. Je sais pas ce que ça fait, ça. Je vais tenter celui-là. C'est hyper léger, mais bon, ça fait un gris, c'est pas mal. Moi, je n'ai pas encore, mais j'ai investi avec le deuxième virgule. Merci beaucoup, Bérangère. Ah si, le truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut mettre une petite feuille entre les deux.
Parce que quand je fais du marqueur alcool, ça a tendance quand même à passer un petit peu au travers. C'est hyper léger là ce que je fais. C'est un gris, c'est vraiment un gris très pâle. Je vais aussi amener un rose aussi très pâle. C'est assez étonnant, il y a des bouchons, on a l'impression que ça va être très clair et puis finalement c'est assez foncé quand même quand on le met. Bon, n'hésitez pas, même si vous voulez papoter, poser des questions, même si vous n'êtes pas en train de colorier, on peut discuter en même temps. Je regarde le chat. Donc n'hésitez pas. Il marche pas hyper bien ce feutre. Ah ouais, c'est une bonne idée parce que c'est vrai que c'est très tranquille. Ça peut être cool de le dire effectivement. Mais je vais entendre si tu vas commencer. Non, je vais peut-être pas entendre. De quoi? Je vais peut-être parler, je ouais. Le dis. Attends une seconde, je peux courir. Non, mais ce que je disais, c'est que tu dis. Tu vois, tu peux un peu filmer un peu ce que je fais et puis. Ouais. Mais vas-y, t'es prêt? 3, ouais. 2. Coucou Insta. Là, je suis en train de faire un petit live pour faire la mise en couleur d'un des dessins de ce cahier de coloriage. Donc si vous l'avez chez vous et que vous voulez qu'on peigne ensemble, n'hésitez pas à me rejoindre tout de suite sur Facebook, YouTube, TikTok et Twitch. Donc celui que vous préférez, peut-être pas tous en même temps. Oui, c'est pas très utile. Et puis je vous attends pour faire ça ensemble. Bisous, bisous. Tout simplement discuter, hein. Ou juste discuter, oui, tout à fait. On peut être juste... Oui, c'est ce que je disais. On peut être en mode discussion, poser des questions. Voilà. Je vais passer, je vais mettre un peu d'aquarelle. J'ai bien envie d'être dans des tons. On va se mettre sur le thème d'octobre rose. Et du coup, j'ai bien envie de partir dans des couleurs un peu roses. Je me dis que ça peut être sympa. Patricia, bonsoir. N'ayant pas le coloriage, je vais colorier un de mes dessins du Inktober. Ah bah cool. Ce qu'on fera, c'est qu'à la fin, c'est pareil. On pourra se partager, même si vous faites complètement autre chose. Bon, à la fin de ce live, on peut partager un peu ce que chacun a fait dans son coin, même si c'était pas les mêmes choses. Ce sera très sympa de regarder, de partager ce que nous étions en train de faire. Et du coup, ouais, je vais essayer de créer une harmonie entre les deux. Donc, je me dis que je vais ramener du rose sur au niveau du loup. Donc là, souvent, ce que je fais, c'est que je colorie dans un sens et dans l'autre. Je fais un peu un système de quadrillage. Voilà. Donc, je vais aussi amener un peu de rose dans ici. L'avantage de tenir mon crayon comme ça au bout du doigt, c'est que je trouve que ça permet d'avoir un... de pouvoir regarder, parce qu'en fait quand on est comme ça on voit pas, alors que je trouve que quand on a le crayon vraiment loin, on voit vraiment un ensemble de ce qui est en train de se passer. Je peux observer ce que ça donne, voilà. Coucou, raté le live, je ferai plus tard. Coucou Isabelle, ah oui, t'as loupé le...
C'était à 18h30 le jeudi, mais bon, c'est pas grave de toute façon. Alors, je t'avoue que ce soir, on l'a fait très vite, j'avais les deux enfants. Donc, du coup, ça a été un live un peu speed, mais assez simple au niveau du dessin. Mais je suis sûre que tu vas nous faire encore une merveille, comme à chaque fois. Et là, ce soir, je suis en train de faire une petite mise en couleur, voilà, pour partager. Donc, même si tu fais ton live ce soir, n'hésite pas, parce que je ferai comme d'habitude, on va regarder les petits dessins. Ça peut être le coloriage ou d'autres dessins que vous avez faits, mais on partagera un peu tout ce qu'on a fait ensemble ce soir. Donc voilà, si tu fais le live maintenant, Isabelle, on pourra le regarder ensemble juste après. Donc là, je vais faire pareil au niveau de la joue de la petite nana. Je crois que je vais aussi quand même utiliser ce que j'avais utilisé tout à l'heure pour son visage. Pour vraiment créer une harmonie, quelque chose, une continuité entre les deux en fait. Oui, pas grave, je vais regarder la mise en couleur. Ah, cool! Mais n'hésite pas à faire un truc en même temps, hein, pour partager. Et puis, comme je disais, si vous voulez lancer des discussions, poser des questions, n'hésitez pas. Donc là, je vais remettre un petit peu, j'ai renforcé un peu les ombres avec un autre rose. Du coup, ce qui peut être bien, c'est vrai qu'au niveau du cahier de coloriage, c'était vraiment mode croquis. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à venir remettre du feutre noir sur les zones importantes, comme les cils, voilà, les yeux, même le nez. C'est des endroits qui ont besoin de ressortir plus quand même. Même son nez au loup. Voilà. Et ensuite pour les cheveux, je vais toujours utiliser mes deux crayons. Donc là, je vais mettre le plus foncé sur les zones, justement, il y a déjà des ombres en fait sur les cheveux. Donc là où j'ai déjà mis les ombres un peu plus foncées, je viens repasser avec mon rose le plus foncé. On peut aussi faire d'un bout à l'autre comme ça, puis devenir un peu plus clair.
me permets de tout voyer sur les oreilles. Je me suis dit, oh, tiens, je vais rajouter des. J'ai rajouté des petites boucles d'oreilles. Je trouve que c'est sympa de rajouter deux éléments qui n'étaient pas forcément. Et puis au niveau de mon menton, je le trouvais un peu trop gros mon menton, je l'ai un peu réduit du coup. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais être moins dans le détail au niveau des cheveux. Aurore, bonsoir. Quels sont les meilleurs crayons de couleur? Pour moi, c'est les Polychromos. C'est vraiment c'est ceux que j'utilise et que je trouve incroyables. Ils sont assez gras et ils ont pas mal de pigments. Donc, et puis les couleurs sont trop belles. Donc voilà, c'est les Polychromos. Et j'ai pas fini de manger, j'étais en mode crêpe. Oh là là, me parle pas de crêpe, en plus j'ai tout le temps faim. C'est trop bien, les crêpes c'est la vie, hein. Y a rien de meilleur que les crêpes. En plus, je sais pas, je trouve que quand on mange des crêpes, ça fait un peu soirée cocooning. Et c'est trop agréable. Merci Josette pour tes j'aime. La fresque d'aujourd'hui est magnifique. Merci à toi, c'est trop gentil, ça me fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir tous ces beaux retours. C'est vachement encourageant parce qu'en fait, je vous avoue, au niveau de la fresque, c'est chaud. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la fresque, je la renouvelle à chaque fois au printemps et à l'automne. En gros, je fais toujours une fresque depuis plusieurs années maintenant, une fresque automne-hiver et printemps-été. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les mecs sont venus pour nettoyer, ils ont fait ça ultra à l'arrache et en fait, ils ont laissé de la peinture partout par terre, ils ont sali vachement les bords et tout. Sauf qu'en fait, sur le coup, ils ont cru que c'était moi et je vous avoue que comme des fois, j'en mets un peu partout, j'en ai conscience. J'ai pas mis en cause, mais j'étais trop mal. J'ai cherché, donc j'ai dit, je suis allée acheter de la peinture pour pouvoir repeindre tous les bords. Je suis allée chercher ce qu'il fallait pour pouvoir nettoyer le sol. Enfin voilà, trop. Mais j'étais en panique. Je me sentais tellement mal. En fait, c'est horrible. En fait, je me rends compte que, vous voyez, sur les fresques, je suis totalement autodidacte. C'est-à-dire que j'étais hyper heureuse hein, de leur confiance. Ils ont été les premiers à me faire confiance sur de la vitre. J'avais jamais peint sur des vitres. Donc au début, je cherchais des solutions. Il y a eu j'ai fait des fresques avec juste des Posca. C'était un peu léger. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre un peu de l'aisance, tout ça. Donc, mais voilà, c'est vraiment c'est du tâtonnement quoi. À chaque fois, donc je me suis rendu compte que ça marche bien si on fait des gros aplats, si on les fait à l'éponge, ça marche bien. Donc voilà, et là ce qui s'est passé, c'est quoi, il y a eu cette saleté vraiment partout et je me suis sur le coup je me suis dit je suis vraiment nulle, j'avais juste envie de m'enfermer chez moi et de me dire je fais plus jamais rien, de toute façon je suis trop nulle, je fais des trucs sales. Et en fait, ce matin quand je suis arrivée, le gars il est venu et puis il me fait mais non en fait c'est pas toi, c'est les gars quand ils sont venus nettoyer, quand on mis partout en fait. Et du coup je vous avoue ça m'a quand même soulagée d'un poids, parce que j'étais, même moi quand j'ai vu toute la peinture partout, j'étais mais je me souvenais pas en avoir mis autant partout quoi. Donc voilà, enfin bref, tout ça pour dire que
Ah oui, c'est ça, je voulais en venir. En fait, mes enfants, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont envie de tout réussir du premier coup. Si la maîtresse leur dit non, c'est pas bon ce que tu as dit, c'est pas la bonne réponse, ils vont être super mal, ils vont dire la maîtresse, elle a été méchante, ou même mon grand, là, il va à l'escalade. Pourtant, on leur met aucune pression aux enfants, justement. Moi, j'ai vachement souffert de l'école et tout ça. Donc, j'ai une tendance à être quand même vachement cool avec mes loulous, quoi. Et en fait, eux, ils se mettent eux-mêmes une sacrée pression. Et j'arrête pas de leur dire, mais tu vas à l'école pour apprendre. Donc, faut pas vouloir être parfait, en fait. Et en fait, je me suis dit en moi-même, mais je donne des conseils à mes enfants, mais je vais me les appliquer à moi-même. Et du coup, j'ai quand même, parce que d'habitude, ça serait arrivé avant que j'aie des enfants, clairement. J'aurais fait grosse crise d'angoisse, j'aurais jamais osé y retourner. Enfin, j'aurais été vraiment 5 pieds sous terre, quoi. Vraiment, ça aurait été très très compliqué pour moi. Et là, en fait, je me suis dit, mais même moi, en fait, j'apprends. Donc, j'ai le droit à l'erreur. C'est normal de ne pas faire tout le temps parfait du premier coup. Et en fait, j'ai vachement réussi à me calmer. Et je me dis que mes enfants m'aident vachement parce que les conseils que je leur donne, finalement, bah, je me les applique derrière à moi-même. Et bah, c'est cool, en fait, d'utiliser les conseils qu'on donne à nos enfants, de les utiliser pour soi. Bah, ça aide vachement, quoi. Donc c'est chouette, je trouve que les enfants nous offrent un deuxième appro enfin un nouvel apprentissage quoi qu'on n'avait pas avant. Et voilà. Voilà, je me suis mise à parler, j'en ai oublié de regarder tous vos petits messages. Ah, Josette fait des crêpes aussi ce soir. Pas eu trop froid. Non, j'ai pas eu trop froid, par contre il pleuvait, donc c'était assez désagréable. Et Bulle d'air, bonsoir, comment passer il y a quelques jours en extase devant vos créations? C'est hyper gentil, merci Bulle d'air. Oh! On a un petit nu de 27 euros, il y a quelqu'un qui vient d'acheter le cahier de coloriage 1 et 2, je n'arrive pas à voir le nom. Ah, j'ai pas eu le temps de voir le nom. Petit Jean-Claire, est-ce que tu es là, petit Jean-Claire, ou c'est une... Bon, en tout cas, merci. Merci à Petit Jean-Claire qui vient de faire une petite commande de 27 euros. Je te mets ça, tu verras. Coucou Léna, Séléna, bienvenue. Merci Bulldare pour tes petits j'aime, ça fait trop plaisir. Oui, vraiment magnifique avec cette grande surface, quel beau travail. Merci Isabelle, ça fait trop plaisir. Oui, j'ai vu Aurore que tu avais commandé de livres de coloriage, ça m'a fait grave plaisir. Merci à vous, c'est trop bien tous vos soutiens. Isabelle, oui, tu m'avais donné la technique de l'éponge et j'avoue ça marche bien. Je fais la vitrine de mon fils pour Noël, génial, c'est trop cool. Tu m'enverras des petites photos des vitrines que tu fais, Isabelle, parce que je trouve ça trop chouette de voir vos réalisations. Ouais, tu vois, en fait, je me rends compte que ouais, je fais. En plus, j'avais cherché, hein, j'avais cherché. Ah, mais est-ce que c'était toi, Isabelle, qui m'avais dit qu'en fait, tu avais essayé de poser. Parce qu'il y a une personne qui m'a posé des questions justement sur comment faire une fresque il n'y a pas si longtemps. Et en fait, il paraît que dans le milieu, les gens ne donnent pas trop leurs astuces. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est. Voilà, je sais pas s'il y a des formations pour faire des fresques sur vitrine. Bonsoir, comment. Ah non, j'ai déjà vu. Non, c'est Bulldare qui renvoie des j'aime. C'est trop bien, merci. J'attendais YouTube. Eh, il y a Caroline Ange qui me dit j'attendais sur YouTube, mais il n'y a rien. Ah bah, a priori. Ah bah non, c'est trop dommage ça, parce que je comptais un peu sur YouTube pour récupérer en plus. Bah, j'ai tout fait maintenant. Que je ferais bien une vidéo TikTok quand même avec la vidéo de ce soir. Je l'aurai sur Twitch, c'est pas grave. D'accord. Je la mettrai sur. Enfin, dommage Ah quoi, ouais. parce que du coup, elle attendait sur YouTube pour rien. Ah, désolé. C'est Sam, il a bugué. Je sais pas ce qu'il a fait. Je peux même plus la faire. Ouais. Ah, tu crois que tu pourrais faire aussi une petite vidéo de quand je suis en train de peindre pour faire le montage TikTok? Avec Pontel? Ouais, bon, Ouais. je sais pas. Non, tu veux juste un truc de dessus? Arrêter YouTube, démarrer YouTube. Sam est en train de. Je vais le faire à coloriage, je vais le faire de ces jours. Ah, j'ai loupé un petit. Est-ce que tu peux remonter un tout petit peu là, s'il te plaît? J'ai pas vu. Merci. YouTube n'est pas Coucou. Ah, étonnant. il est redescendu.
Coucou, j'avais pas encore fait en plus ce coloriage, je vais le faire un de ces jours. Ah, bah trop bien! Bon, de toute façon, voilà, il restera. Alors, du coup, il restera. Il est sur Twitch, il est sur Facebook et sur Twitch, et moi, du coup, Du coup, tu vas être obligé de le récupérer. j'enverrai la rediff Twitch sur YouTube, pour que elle soit entière sur Ouais, YouTube. c'est dommage sinon. Surtout que en fait, je me rends compte que j'en ai fait quand même pas mal déjà. J'enverrai celle de Twitch sur YouTube. Par contre, YouTube, pas censé. D'ailleurs, Scrap, déjà vu une vitrine que tu as fait sur Instagram. Ouais, bah en fait, Oh, mais comment ça ça fait? fait, je crois que ça fait combien? Ça doit bien faire 5 ans maintenant. Donc c'est vrai que ouais, sur Instagram, vous pouvez en voir quelques-unes. D'ailleurs, je crois que je les mets pas sur mon blog, c'est dommage parce que ce serait quand même bien qu'elles soient sur mon blog. Il y a 2 jours, j'ai fait une vitrine de magasin au Posca. Ah, trop cool, tu m'enverras aussi une photo de ce que t'as fait, Valérie Scrap. J'aime beaucoup ces couleurs, ma fille aussi se met beaucoup la pression et moi aussi. C'est fou hein, qu'on se mette de la pression comme ça à vouloir tout comprendre tout de suite, être parfait. C'est Putain, ça peut pas être obligé là. dingue. Et pourtant, tu vois, comme je te dis, pourtant les enfants, je trouve qu'on est quand même, on leur fait quand même beaucoup de compliments. Enfin, parce que moi, j'aurais pu dire que quand j'étais enfant, je voulais être parfaite parce qu'on n'arrêtait pas de me rabaisser, de me dire que t'es nulle. Mais j'ai pas l'impression de rabaisser. Donc je sais pas, ouais. Y a un côté où l'être humain doit avoir envie d'être parfait. oui, je peux t'envoyer celle de l'année dernière. Non, moi je t'avais demandé conseil en dernier parce que je faisais pour la première fois sa vitrine. D'accord, donc c'est pas toi. Mais je sais que ouais, il y a une personne qui m'avait demandé des conseils comme ça et qui m'avait expliqué que les autres, enfin, les autres qui font des peintures sur vitrine ne voulaient pas donner leurs astuces, quoi. Valérie, j'ai le premier album, par contre, je n'ose pas encore faire de mise en couleur directement. Ah bah regarde, là, ce soir, tu vas peut-être oser te lancer. surtout que t'es super douée, toi, Valérie Scrap aussi, je crois. Oui, toi, déjà vu Laure, mais je parlais de celle de Isa. Ah, pardon, excuse-moi. Ça y Et est, t'as pour arrêté moi, sur c'était il y YouTube. a 2 ans, je t'enverrai le lien du post Instagram. Ok, super, trop bien. Ça y est, t'es en live sur YouTube. Merci. Mais je supprimerai le live à la fin pour remettre la rediff de Bon bah du coup s'il y en Twitch. a qui veulent retourner, c'est aussi l'entourage scolaire des enfants qui fait cela. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de compète qui s'installe. D'ailleurs, j'ai parlé avec des mamans qui font l'école de leurs enfants à la maison. Et justement, je trouve que c'est ce qu'il y a de bien avec ça, c'est qu'il n'y a pas cette... Il n'y a pas cette concurrence, un peu cette compétition. C'est vrai, ils se comparent vachement aux autres. Mais je pense que si... ouais. Je me demande si... Enfin, je trouve, moi, les maîtresses sont assez à l'ancienne. Alors, c'est un peu dommage parce que les maîtresses de maternelle, elles étaient extraordinaires. On était vraiment sur quelque chose d'hyper moderne dans la façon de faire. Et les enfants étaient vraiment, vraiment bien, quoi. Et je trouve que là, c'est vraiment chacun à sa table, devant le tableau. Enfin, dès le CP, quoi, je trouve ça... Ouais, c'est dur, quoi. Bon, après, moi, j'ai un gros problème, sincèrement. J'ai un gros problème avec l'école, hein. J'en ai pas des bons souvenirs, donc je suis assez mauvais juge. Mais ouais, je pense que l'école crée peut-être un peu de compète aussi, je sais pas. Non, et puis même les maîtresses, dans leur façon de parler, dans ce qu'ils me disent, elles sont... Alors, après, moi, j'ai bien dit à Ali, je pense que le métier de maîtresse est un des métiers les plus difficiles. Je le pense vraiment. Parce que gérer toute la journée plein d'enfants, c'est quand même ultra usant. Donc, je pense aussi qu'il y a il y a une patience qui se perd. Et moi, je sais que j'avais dit à Ali, attends, la maîtresse t'a peut-être parlé comme ça. Mais dis-toi que c'est possible aussi qu'elle était juste très très fatigué et voilà donc essaye de pas trop prendre ses propos au pied de la lettre mais ouais c'est compliqué un peu tout ça ah merci je préfère faire des copies pour avoir un autre exemplaire ça marche ouais. Mélanie, vous refaites les ombres là sur la tenue. Ah oui, pardon, en plus c'est un peu bas, on voit pas. Oui, tout à fait. En fait, j'utilise les ombres qui sont déjà sur le dessin pour venir les refaire. En gros, là où tu avais les ombres plus foncées, j'ai mis un rose foncé.
Et après, là où c'est plus clair, je reviens et c'est pareil. Là, ici, je vais appuyer plus fort sur mon crayon. Et ici, je vais me mettre à appuyer moins fort pour garder de la lumière. Ah merci, pas facile, j'avoue, mais beaucoup de plaisir. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Isabelle, au niveau des fresques, c'est pas évident, c'est assez stressant, mais il y a un vrai... Moi aussi, je ressens ça, je ressens une espèce de joie un peu, enfin de... Il y a quelque chose qui se passe, quoi, quand on peint sur une vitrine, et puis, bah, il y a un petit peu de... Ouais, je pense que le stress crée de l'excitation aussi, voilà, c'est chouette. Et arrivé au collège, la compète reprend avec les notes. Ouais, alors ça, moi, je m'en souviens, mais je m'en souviens vachement qu'on se comparait tous les notes, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est pas top, parce qu'en fait, c'est être déjà dans se comparer aux autres. Et je pense que là, la société, elle a pas besoin de gens qui se comparent, mais de gens qui se soutiennent, qui s'entraînent, qui acceptent d'être dans l'apprentissage et dans l'écoute. Je pense que ce serait top. On a le droit de vous faire de la pub lors des publications des coloriages finis. Ah oui, bien bah avec grand plaisir, oui. Bah, moi je suis vachement dans cette dynamique du partage, de montrer. C'est sûr que j'aime bien quand mon nom est indiqué, mais en tout cas c'est avec grand plaisir. Faut pas hésiter à partager. Merci Bulder. Oui, c'est pareil, je fais beaucoup de compliments à ma fille, je lui dis que je l'aime, elle est sans doute aussi l'esprit de compétition instauré à l'école à l'image de la société du système. Ouais, c'est exactement ce que je disais, Bérangère. Il y a des fois, j'aimerais refaire le monde. Oh, je pense qu'on arrive là. Oh, Rose Perlée. Ah, je peux le dire du coup? Alors, donc il y a un Ulule, merci Rose Perlée, qui vient d'être fait. Alors, je vous explique. J'ai mis, avec Sam, on a décidé pour booster le Ulule de proposer tous les Inktober qu'on fait ensemble. Je les ai mis en vente sur Ulule. Comme ça permet d'aider à faire monter pour passer des paliers. Et puis, et puis voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa comme on fait tout cet Inktober pendant le Ulule. Voilà, je me suis dit que c'était sympa. Donc, s'il y avait des petits dessins qui vous ont plu, qu'on a fait ensemble, n'hésitez pas à aller sur Ulule. Je les ai mis à 31 euros, frais de port compris, du coup. Voilà. Alors, moi, j'ai trop kiffé le résultat de la vitrine que j'ai faite, mon premier dessin XXL. Ah, génial! Ben ouais, c'est ça, c'est aussi le fait de peindre en grand. En fait, plus on fait les choses en grand, plus on peut y mettre des détails. Mon mari me disait ça depuis toujours. Il me disait, ouais, faut que tu fasses absolument en très très grand. Et effectivement, c'est vrai que quand on dessine en très grand, on peut faire des choses beaucoup plus détaillées, ça marche trop bien. Mélanie qui dit je fais pareil, mais il faut oser. Alors, je suis en train, c'est vrai que j'ai vu, je sais pas si vous connaissez les cahiers de coloriage Avenue Mandarine qui sont faits par Emmanuelle Collin. Je suis ultra fan de cette illustratrice, je trouve ses dessins. C'est une fille qui fait ses cahiers de coloriage, c'est des petits personnages qui sont de profil avec souvent des animaux. Vous voyez ce qu'elle fait, Emmanuelle Collin, vous pouvez aller voir. Et en fait, j'ai vu l'autre jour que ce qu'ils font, c'est que dans le cahier de coloriage, parce que c'est pareil, c'est vraiment des croquis très beaux, je pense qu'on a peur de le mettre en couleur parce qu'effectivement, il y a un côté où on a envie de garder on a envie de garder le croquis, quoi, quand même. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imprimé, ils ont tout imprimé en deux fois. Donc je me dis si ça se trouve ils ont fait ça, pour qu'on puisse à la fois garder le dessin et à la fois faire une mise en couleur en se disant ben, il m'en reste toujours un. Je me suis posé la question de le faire sur le prochain. Mais voilà. Bulder, hâte de sublimer votre travail. Franchement, j'ai trop hâte parce que moi c'est un pur bonheur de découvrir vos mises en couleur. C'est toujours trop génial. Isabelle qui dit ah oui trop bien je vais aller voir. Merci Isabelle. Et Valérie Scrap qui dit top l'idée des deux exemplaires.
Ouais, mais peut-être que j'aurais dû faire ça. Bon, à voir hein, si on. En vrai, si avec la campagne. Alors, pas retenu le nom, c'est Emmanuel, 2 LE, parce que c'est une fille. Et son nom de famille, c'est Colin. Colin. Si jamais avec la campagne, on arrive à atteindre un bon. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut proposer. Genre à 350%, il faudrait qu'on regarde les tarifs avec Sam. De combien ça rajoute. Faudrait que je demande à l'imprimeur. Si on rajoute le double de page. Parce que faudrait que je demande des devis. Je sais pas. Ça pourrait être sympa. Peut-être que je devrais faire un vote pour savoir. Mais après, voilà, c'est vrai que comme le prix du papier a pas mal augmenté, je me dis ça risque d'être chaud et peut-être de monter le prix. Ou alors, il faut que je mette un peu moins de dessins. Ouais, peut-être que je ferai un vote quand même sur la fin, ou sinon moins de dessins et les mettre en double, je sais pas. On en reparlera. Je pense que je vous reposerai la question parce qu'effectivement, je me l'étais posée moi-même. Et du coup, là, le fait qu'on en parle ensemble, je me dis, ouais, on pourrait. Ouais. Peut-être avoir quand même. Ma lune, je vais la faire en violet. Donc je vais venir redessiner le trait qui était fait en fond. C'est pas facile de revenir sur le trait, mais je me prends pas la tête. Hein. C'est quand mon trait est pas bien droit, bah, je viens faire comme si je faisais de l'ombre. Tac. Du coup, je l'épaissis un peu. C'est pas bien gênant. Alors, j'hésite. Je pense que là. J'ai envie de tenter ça. Mon truc que j'aime bien en ce moment quand je fais des dessins, c'est faire des espèces d'écritures comme ça. C'est pas des écritures, c'est un truc inventé, je ne sais pas. C'est des petites choses que je me suis mise à faire quand j'ai fait l'oracle avec Amandine. Et Amandine me disait arrête de dire que c'est des zigougouis parce qu'elle me disait que c'était des graphes, des. Ah mince, j'ai perdu le nom qu'elle m'a dit. Mais c'est vrai que. De l'alphabet. Ah, je suis en train de chercher le nom, je sais plus. Mais je trouve que ce truc-là de lâcher prise, ça amène quelque chose assez étonnant et qui fait du bien à l'œil, qui apaise, qui détend. Je sais pas comment dire. Donc j'ai tendance à en mettre pas mal partout maintenant. Tu me diras ce que t'en penses du coup Valérie de ce qu'elle fait Emmanuel Colin. Je suis vraiment très fan. Josette, une idée à creuser en effet pour avoir deux techniques. Oui. Oui, ça peut être sympa. Tac. Je vais venir. Ouais, alors, je me suis un peu loupée, comme vous pouvez voir sur mon rond là. Il fait pas très rond. Du coup, je reviens pas avec la couleur de la lune sur mon loup. Donc pareil, je reviens toujours avec les couleurs plus foncées au niveau de là où il y avait des ombres à la base sur le dessin.
fait sursauter. Florence, 62 euros. Merci du fond du cœur, ça fait trop plaisir. Je sais pas si t'es là, Florence. En tout cas, je suis trop touchée. Merci à toi. Je pense que 62 euros, ça doit correspondre à deux dessins. Tu sais lesquels c'est? C'est Aigle et femme. Aigle et femme. Ah, yeah, trop bien. Ah ouais, Aigle, elle faisait partie. Ah bah oui, t'as choisi mes deux préférés, Florence. Nous sommes du coup à 109%, c'est trop bien. J'aime bien aussi les gribouillis décoratives et les petits détails. J'ai fait ça récemment, une chaise avec plein de petites choses comme ça. Ouais, hein, ça apporte vraiment quelque chose, je trouve. En plus, comme c'est dans le lâcher prise, je pense qu'il y a une espèce de part de l'inconscient qui vient là-dedans et du coup qui va venir nous parler nous parler au cœur, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose un peu comme ça. Voilà. Et du coup, je pense que ça peut être sympa de venir finir avec un peu d'aquarelle. Ainsi, comme j'avais échangé ça, ça peut être sympa de... Le fait de mettre du plus foncé derrière, ça va faire ressortir le loup et le visage. Moi, quand je fais des mises en couleur et que ça me plaît pas toujours, je mets des points partout. Mes copines de colo rigolent à chaque fois. C'est quoi que t'appelles des points en fait? Tu fais des petits points? Je sais que moi j'ai ma nièce qui fait ça souvent, qui fait des dessins où elle vient colorier en fait avec des points. Donc quand on met beaucoup de points à un endroit, ça fait du foncé. Quand on en met moins, en fait ça vient faire des dégradés. Et c'est hyper joli, hyper graphique, j'aime beaucoup. Voilà, on va passer un petit peu d'aquarelle du coup. Je pense que je vais m'arrêter là avec le marqueur à alcool. Tac. Tac. Hop, je range aussi ce crayon. Et je sors le pinceau. Donc là, je vais quand même venir avec un violet... Je crois qu'il faut que je re-remplisse mes trucs d'aquarelle. Bon.
Bon, c'est une lune très foncée, hein. Pourquoi pas après tout? Dans les mondes imaginaires, tout est possible. J'avais pas vu, j'ai mon chat qui dort juste devant moi, dans le canapé. Marie, je les ai commandés aujourd'hui. Ouais, j'ai vu, je te remercie énormément, ça fait trop trop plaisir. Ah, Maniel qui dit j'adore, merci, ça fait trop plaisir. Ah, il y a Kyo qui me parle sur YouTube. Coucou, salut, comment ça va? Moi, ça va. Eh bien, ça va plutôt bien. Écoute, je fais de la peinture, ça fait du bien. Et ça me fait très plaisir de savoir que tu vas bien aussi. Parce que il y a besoin de gens qui vont bien en ce moment. Ça remonte le moral des autres. Donc, c'est cool. Moi, ça va. Tant qu'on n'a pas changé d'heure, je tiens le coup. Là où ça devient dur, en général, pour moi, c'est au moment où on change d'heure. Alors là, là, c'est dur, dur. Ah oui, moi c'est pas ça que j'ai déjà vu. Attends, j'étais où? Des coloriages au pointillisme. Ce qu'elle fait, j'ai pas encore essayé. On peut faire des points pour faire genre un effet féerique étoile, ok. Ah d'accord, c'est excellent. Ouais, mais ça marche bien. Mais c'est rigolo, en fait, t'as un groupe, vous coloriez ensemble? Vous êtes ensemble dans la même pièce ou c'est un groupe où vous partagez des coloriages sur, sur Facebook? Coucou, tu utilises quoi comme marque d'aquarelle? Elle est vraiment bien pigmentée. En fait, c'est des... Là, je t'avoue, c'est des... Celui-là que j'ai utilisé, que tu dis qui est bien pigmenté, c'est des... Attends, je vais aller te le chercher parce que je j'ai pas le nom. Et en fait, c'est pas des... C'est des petits tubes. C'est des petits tubes. Attends, je vais te chercher ça pour pouvoir te dire exactement. Touk, je vais pouvoir te dire ça. En gros, j'en ai plusieurs. Hein, j'achète... attends. Je te les sors parce que des fois j'achète même des trucs en promo donc je, sans savoir vraiment ce que ça va donner, je découvre en utilisant. Donc ça se trouve, tu vois, j'en ai plusieurs différentes. Là par exemple, la violette. Elle est où la violette? Ah bah génial. Ah bah ça doit être celle-là. C'est oui. En fait, la majorité de mes aquarelles, c'est Winsor et Newton. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que là, l'étiquette, elle donne l'impression que c'est clair. Et en fait, c'est super foncé. En fait, ce que je fais, je te montre. Tu vois, je prends des aquarelles en tube. Je me suis rendu compte que ça en venait moins cher. Et je les mets dedans, en fait, comme ça, directement. Du coup, ça sèche. Et après, tu les utilises... Tu l'utilises super, super facilement. Donc du coup, je vais en profiter pour re-remplir les autres pots, tu vois. Vous avez pas fait ça. J'ai celle-ci aussi qui est quasi terminée. Tac. Il y a le vert. Les turquoises, j'en ai plusieurs, alors je sais pas, ça a pas l'air d'être forcément tous les mêmes. Et voilà, et du coup, ouais, là tout ça c'est Winsor. Alors là j'ai un rose, il est très très beau ce rose. D'ailleurs c'est peut-être une marque encore mieux que Winsor, c'est ça.
Et ça, c'est sennelier. Ouais, je crois que les sennelier, elles sont encore mieux que les... Je crois que les sennelier, elles sont encore mieux que les Winster et... J'ai du mal à dire le nom. J'aime beaucoup vos alliances de couleurs, c'est très harmonieux. Merci beaucoup Bérangère. Je passe sur YouTube, sur la tablette, ça sera en plus grand du coup. Ah ben, ça marche. Aurore de mai, c'est de l'aquarelle liquide. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle du coup. Je suis modérateur d'un groupe de coloriage Facebook où je fais des lives en duo ou trio tous les dimanches avec les colocopines. On fait des tutos, on présente des nouveaux livres, illustrateurs et tout ça en live. Ah, c'est génial! Ça a l'air cool! Trop bien! Et Aline, super, merci. J'en ai en tube, je ne les ai jamais utilisés. C'est-tu, y avais pas pensé? En fait, on n'ose pas les utiliser en tube, mais ce qui est trop cool, c'est que quand tu les utilises comme ça, elles sèchent. Et du coup, c'est vachement... Parce que moi, c'est pareil. En fait, j'avais essayé de les utiliser un peu comme on utilise des gouaches. Mais c'est compliqué. Je trouve que c'est vachement plus facile, en fait, quand elles ont séché et que t'as plus qu'à te... À venir, ouais, voilà, à venir les chercher, là, comme ça, dedans. Donc, voilà. Du coup, j'en ai profité pour remplir mes petits... mes petits tubes. Et je vais pouvoir, d'ailleurs, utiliser tout de suite une des couleurs. Oh, j'ai fait tomber des trucs. C'est la zone chez moi en ce moment, je vous dis pas. Mais bon, là en ce moment, on s'occupe. On s'occupe du Lul. Et on fera le ménage plus tard. Le rangement plus tard. Le plus important pour nous en ce moment, c'est d'être avec vous, de voir comment Lul fonctionne. Voilà. Donc c'est un mois hyper intense, mais très fort en émotion. Et du coup, c'est ça l'important. Florence et Inktober n'est pas fini. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est ça. Non, mais jusqu'au 31, là, ça va être le dawa total. Florence. Ah, Florence, je n'avais pas vu. Non, effectivement, moi non plus, j'ai pas vu tes commentaires. Je ne vois pas mes commentaires. Oui, je suis bien avec vous. Dès que j'ai entendu que tes croquis Inktober étaient sur lui, j'ai pas résisté. Dur de choisir, alors j'ai pris ce qui m'a touché le plus comme l'an dernier. Vous allez... Attendez, je vois pas... Il faut que je mette pour la suite... Voir la suite. Vous allez pouvoir tout regrouper entre les trois livres de coloriage et les croquis. C'est super gentil, Florence. Merci beaucoup. C'est trop cool. Ça me fait grave, grave plaisir. Ouais, du coup, t'étais là depuis le début. Ouais, c'est marrant. J'ai vu aucun de tes messages, du coup. Non, ça a l'air d'être Facebook. Non, c'est sur Facebook, je sais pas. A priori, elle a dû laisser des commentaires qu'on n'avait pas vu ou je sais pas. Ah, du coup, Florence, je comprends. Et Inktober n'est pas fini. Aïe, aïe, aïe. Ok. Et ben, du coup, ouais, ça va me motiver à faire des beaux dessins. À prendre mon temps. Séverine, bonsoir Laure, très jolie et doux, et merci pour ta générosité, avec grand plaisir. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup ces moments de partage. Je ne pourrais pas le faire toute l'année, parce que c'est vrai que c'est quand même assez épuisant, mais en vrai quand je le fais j'adore, parce que je trouve qu'on s'apporte beaucoup, et c'est assez drôle, mais j'ai vraiment la sensation que les personnes qui me suivent, on se ressemble beaucoup dans la façon de penser. Enfin, ouais, il y a sur cette communauté, il y a vraiment. Alors, peut-être que c'est parce que, mine de rien, quand on fait des illustrations, à travers les illustrations, encore une fois, c'est l'inconscient qui parle. Et que finalement, les inconscients se reconnaissent. Il y a peut-être un truc comme ça qui fait que je me sens. Bah ouais, je me sens vraiment en connexion avec vous, quoi. Je suis à l'aise. Oh, ce petit bisou, merci. Trop mignon. Coucou, petit écureuil. Ah non, je suis méga en retard. Oui, mais oui, 21h35. Ah, ça fait trop plaisir, petit écureuil. Il est tout à fait d'accord. Mais ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça. Et du coup, c'est vrai que ça rend les échanges tellement, tellement beaux.
pouvoir parler comme ça et tout, c'est un super cadeau. Là, je vais venir mettre des petits jets de peinture. Tu vois, toi, tu fais des petits points, mais moi, en vrai, je fais pareil que toi. Moi aussi, je fais tout le temps des petits points comme ça. Non, je les fais en jets de peinture, quoi. Oh, on dirait un oiseau, là. Je sais pas si vous voyez la tache. Ça fait un peu une forme d'oiseau. Je vais quand même la calmer un peu parce que c'est un peu fort. Tac. Je trouve ce rond un peu fort, moi. Ça me gêne un peu. Oh, merci S Chalot, je sais pas ce que c'est ton prénom. Du coup, 47€ de commande, c'est hyper gentil. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait trop plaisir. Est-ce que tu es avec nous en ce moment? Je jouais avec mon père aux jeux vidéo avec Discord, mais trop bien, c'est cool ça. On dirait un glurp, la tâche d'oiseau MDR. Ouais, ça fait un peu ça. 110%, ouais, on est à 110%, c'est trop cool. Ça mérite une petite danse. Ah ouais, c'est bizarre, petit écureuil, la musique, on ne l'a pas entendue, elle s'est pas mise en route. Oh, il y a dû avoir un bug. Et Archiastro. Est-ce que j'ai bien prononcé? Bonjour à toi. Ah ouais, ça y est, il y a un bug, Sam. Ma petite écureuil, elle a mis deux fois la musique en disant ça se fête, il faut une petite danse. Et en fait, la musique s'est pas mise en route. Je te fais quand même une petite danse, du coup. Ya la 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 la. Ah, ça y est, trop bizarre. Ou c'est peut-être Sam qui a fait quelque chose aussi. Ça, on l'a deux fois, c'est que c'est un retardement. Super. Petit écureuil, musique pour 500 pinceaux. Et petit écureuil, mais je me déhanche de plaisir sur mon canapé. C'est trop cool. Elle empêche qu'en étant à 110%, ça veut dire que si on arrive assez rapidement à 150%, il y aura une carte postale offerte. On hésite entre deux styles de cartes postales pour les 150%. J'ai vu une carte qui est trop trop belle. En fait, il n'y a pas longtemps, vous avez vu, j'ai reçu mon panneau parce que je fais une exposition. Quand il fait beau, je mets mes tableaux devant le portail. Et en fait, j'avais fait un panneau pour dire qu'ici, dans ma maison, je vendais des cahiers de coloriage, tout ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est dur de parler. Enfin, je parle pas toute seule, mais je suis face à ma caméra et du coup, j'ai pas vos regards. Et des fois, je me perds toute seule dans ce que j'étais en train de dire. Coucou, Tom! Est-ce que tu vas bien? Ah oui, et du coup, chez cet imprimeur chez qui j'ai fait faire mon panneau, il nous a envoyé une grande boîte avec tout ce qu'il propose. Donc, on avait des cartes postales qu'ils avaient fait pour plusieurs clients différents. Et parmi les cartes, il y en avait une qui était faite sur du papier. Donc, c'était un fond noir et c'est sur un papier tout un peu soft touch. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc, c'est un papier, c'est hyper agréable. La texture est trop chouette. Et je me disais, il faudrait qu'on regarde le tarif, mais j'aimerais trop faire mon chat. Vous savez, là, le chat qui a eu pas mal de succès, le chat noir avec des motifs dorés dessus. Et je me disais, faire un vernis sélectif métal, enfin,
un truc métallique, ça pourrait être super sympa. Ou alors faire une carte postale à colorier. Je me dis, ça peut être sympa aussi, voire peut-être plusieurs, parce qu'en vrai, le tarif d'une carte à colorier serait peut-être moins cher, j'en sais rien, faut que je regarde. Qu'est-ce que vous préféreriez, vous, une belle carte très travaillée, avec peut-être du doré sélectif et tout. Excusez-moi, je me lève, je me suis fait un peu mal au dos. Je vais enlever mon coussin dessous la chaise. Est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préféreriez une carte à colorier sur un, bah, sur un papier très épais mais exprès pour colorier. En gros, c'est un petit écureuil. On t'écoute attentivement, trop cool. Ah oui, ce serait trop beau. Encore mieux à colorier, je préfère. Ah ok, toi tu préfères une carte à colorier. Ouais, je pense que ça pourrait être bien qu'on fasse... Il y a Tom qui me dit, oui, et toi? Eh ben, ça va bien aussi, je suis contente d'être avec vous, c'est trop chouette. Effectivement, Caroline, je viens de voir ton message, un salon du coloriage, mais ce serait trop trop bien. Après, justement, le fait que ça n'existe pas, c'est presque encore mieux en fait, un truc qui n'existe pas, ça veut dire que si vous vous mettez à plusieurs et que vous créez ce salon, ça peut cartonner en fait. Mélanie, elle, une belle carte. Petit écureuil. Ah ouais, faudrait monter ça. Bah ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire, hein, clairement. Ce que je vais faire là, mon dessin arrive à peu près au bout. Mais je n'aime pas cette espèce de gros rond là que j'ai fait. C'est vraiment pas gracieux. Et je me dis, je vais utiliser du Posca. Est-ce que on les a ramenés? Ça, les Posca, on les avait sortis? Quoi? Les Posca? Excusez-moi, je crois que mes Posca sont dans mon garage. Je vais les chercher, je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai cru que j'avais pas les trouver, mais si, j'ai trouvé. Donc là, je vais prendre une couleur à peu près. Pour le dos, j'ai déjà essayé le ballon de grossesse, ça fonctionne bien, je trouve. Ah bah, j'en ai un. T'as raison, je vais peut-être m'asseoir dessus là. En fait, c'est que à la base, j'avais mal en haut du dos, donc là, je me suis mise plus haute pour moins me faire mal en haut au niveau de l'épaule. Sauf que effectivement j'ai moins mal en haut de l'épaule, mais ça m'a fait mal en bas du dos. Faut choisir en fait où c'est qu'on décide d'avoir mal ou pas. Ah mais attends, est-ce que le salon du manga ne propose pas cela? Je suis passée par ton garage et j'ai tes Posca. Tu les veux, il va falloir venir à Nantes. Ah t'es à Nantes, petit écureuil. J'y passe. Oh Isabelle, merci. T'as choisi lequel, Isabelle? Ah, ça fait trop plaisir. Encore un petit Inktober. Du coup, on est à 111%. Bah, grâce à Inktober, on va pouvoir se rapprocher des 150%. On va peut-être l'avoir, notre petite carte en plus. À Orvaux, ok. T'as dit quoi? Ah, coquille, trop bien. Ouais, ok, j'ai déjà... Ouais, t'as vu, je suis sur le ballon de grossesse, du coup. Alors, du coup, je vais prendre un rose. J'aurai du rose, s'il vous plaît, lequel je prends? Celui-là. Non, celui-là. Voilà, donc vous voyez ce que je vais faire? C'est que du coup, je vais revenir faire... des écritures
qui passeront d'un à l'autre pour que le trait ne se voit plus trop. Je ne sais pas si ça va marcher. Là, je fais comme toi, Caroline. Je fais des points. Donc vous voyez au niveau du papier, ça tient bien. Là j'ai fait du marqueur à colle, de l'aquarelle, je reviens par-dessus au Posca. Et franchement, le papier reste quand même nickel. Il gondole un tout petit peu, mais en fait il suffit de le mettre dans un livre et il sera tout plat derrière, donc nickel. Séverine Anastasia, coucou Laure, je viens d'installer Twitch. Excellent. Trop bien. Twitch, c'est pas mal parce que tu peux avoir les vidéos dans différentes qualités. C'est de l'écriture laurinique. Ah, peux-tu m'en dire plus, petite écureuil, sur l'écriture laurinique ? Delphine, bonsoir Laure et Sam. Désolée, juste un petit passage rapide, magnifique dessin. Bonne soirée, prenez soin de vous et à votre entourage. Merci beaucoup Delphine. Génial pour Ulule. Allez, on va y arriver à 150 et même 200%. Ce serait cool, on croise fort, fort, fort les doigts. Isabelle, oui, trop bien, coquille. Merci à toi, Isabelle, c'est trop, trop, trop gentil. Mouah, 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 ça fait hyper plaisir. Florence, peu importe la carte, elle sera sans aucun doute super. Croisons les doigts pour les 150%. On va tout faire pour, en tout cas, on va essayer de proposer plein de choses pour que ça puisse marcher. Le marqueur à alcool ressort à l'arrière. Ah oui, j'ai bien dit que... Non, c'est pas le marqueur à alcool. C'est juste que j'ai mis un dessin de mon fils, en fait. Ça, c'est un dessin, c'est le dessin qu'Elie a fait tout à l'heure. Et en gros, j'avais juste mis un papier pour protéger le dessin d'en dessous. Mais regarde, ça fait juste, en gros, ça fait juste ça, le marqueur alcool. Oui, t'as bien fait de le souligner parce que je me dis que sinon tout le monde a dû croire que j'avais des gros, des grosses taches en dessous, mais non. Petit écureuil, je viens de l'inventer. Eh ben, du coup, va au bout de ton invention. Dans ton monde, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? L'or plus empirique égale l'orinique. Excellent. Tu me fais trop rire. Merci à toi, avec tout ce que tu nous apportes comme bonheur, tu le mérites. C'est un message tellement adorable, Isabelle, mais merci du fond du cœur. C'est que vous m'en apportez tout autant. Donc, mais merci, ça fait plaisir. Je vous avoue, ce soir, il y a eu un truc chouette. En fait, Titouan était pas bien. Je vous l'ai même dit un peu pendant... Tu le verras, Isabelle, quand tu feras le live en replay. Titouan était vraiment pas bien. Il est rentré, il pleurait. Il était un peu jaloux de son frère qui avait été malade. Lui, il avait dû aller à l'école. Enfin bref, ça allait pas. Et donc on a fait le cours de dessin, il y avait Ellie à côté de moi et en fait Sam faisait le cours de dessin avec Titouan derrière. Et en fait après le cours de dessin, c'est vrai que Titouan était hyper calme, il était tout posé et tout. Et Sam m'a dit, non mais en fait le cours de dessin était super agréable, ils se sont donné des petits conseils, ils montraient comment faire des trucs. Et je me suis dit, waouh, enfin c'était assez fou parce que c'est vrai que souvent vous me dites que ça vous fait du bien et souvent je me dis waouh, comment c'est possible. Ça me fait trop plaisir mais j'arrive pas à le... c'est pas palpable. Et en fait le fait de voir ça tout à l'heure, de me dire avant le cours de dessin Titouan était pas bien et après le cours il était tout apaisé, je me suis dit waouh, il y a vraiment quelque chose de beau, vraiment au-delà de faire un dessin, d'essayer de faire un truc bien. Il y a quelque chose d'autre qui se passe dans ces moments-là
Et je pense que j'en ai un peu pris conscience et que c'est hyper beau, quoi. Donc je te remercie de me l'avoir dit encore une nouvelle fois, Isabelle, parce que c'est... J'arrive à le prendre plus entièrement dans mon cœur, plus comprendre, et en fait, ça fait trop plaisir, quoi. C'est juste magique. Oui, je suis très émotive en ce moment, moi. Ce que tu viens d'écrire sur ta page, c'est l'écriture de soi que l'on peut inventer et que seul toi sais ce que ça veut dire. Ah, trop bien. Ça fait comme de l'art-thérapie et il est prouvé que dessiner apaise les tensions et les soucis. Ouais, je pense que la majorité des arts, en fait, ont un peu ce pouvoir-là. Et c'est vrai que... Ouais. C'est vrai que c'est chouette. Anne, c'est un moment super zen. Ah, c'est... Ouais, c'est trop bien, en fait. C'est trop cool. J'adore. J'adore entendre tous ces jolis mots. De se dire que la passion que je partage. Mais c'est vrai, oui, même moi, c'est. D'ailleurs, si je dessine autant depuis toute petite, c'est parce que ça m'apporte un. Ça m'a. Enfin, j'étais pas bien du tout petite. Ah, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit. Bon, et vu qu'on est dans les confidences et que on s'approche de la fin de soirée, je voulais en parler, mais en fait, j'ai besoin d'avoir le temps de digérer l'info. Mais j'ai vu la psychiatre l'autre jour et en fait, je suis bipolaire. C'est très compliqué parce qu'en fait, je n'avais jamais. C'est très dur de dire, ok, quand j'ai des phases hautes, c'est pas normal, c'est plus haut que les autres. Vous voyez? C'est que moi, quand j'étais heureuse, bah, je me disais, tout le monde est super heureux, quoi. Mais en fait, c'est trop. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand je suis super heureuse, c'est des périodes où je suis très, très créative, tout est beau, la vie est magnifique, j'ai l'impression que. Enfin voilà, j'ai vraiment une bouffée d'oxygène, ça va durer quelques temps, et derrière, bah, c'est je vais pas bien pendant très longtemps. C'est pas de la. Du coup, je suis pas bipolaire dans des phases complètement enfin, fortes. Enfin, parce que justement, la preuve, c'est que j'ai pendant toutes ces années, j'ai réussi à être un peu. Ça s'est pas vu, quoi. Personne ne m'a jamais dit t'es bipolaire. Et même le premier psychiatre que j'ai vu me disait non, non, vous l'êtes pas. Mais je m'étais posé la question quand même. C'est drôle, j'ai parlé de ça avec ma thérapeute. Dessin égale apaisement chez moi. Bipolaire ou hypersensible? Oh my god! Séverine! Tu viens de m'acheter un tableau! C'est trop trop bien! Merci Séverine! Waouh! Du coup, on est passé à 115% et tu viens de m'acheter la part du colibri. Non, mais vous allez me faire pleurer ce soir. C'est trop beau. Oh, merci. Alors, en fait, quand j'ai un. Ah! Du coup, petit écureuil, remets la petite musique. Allez, on danse. C'est trop bien. Waouh! Trop bien. Ça me touche énormément parce que quand mes peintures partent chez vous, c'est vraiment une part de moi que vous emportez. Enfin, c'est trop cool, quoi. Merci à toi, merci. Mouah. Petit écureuil, trop contente pour toi. Merci Séverine, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment énorme. Surtout que Séverine, elle avait déjà pris une aquarelle personnalisée. Que du coup j'y réfléchis, hein, j'ai l'idée qui est en train de mûrir et je pense que demain je vais la commencer. Parce que en plus ce que tu m'as demandé, ça m'inspire beaucoup. Donc merci à toi, c'est trop bien. bipolaire ou hypersensible, effectivement, je pense que je suis hypersensible, mais a priori je suis aussi bipolaire parce que j'ai quand même des phases de. Tu vois, je connais des amis hypersensibles et vraiment, moi, j'ai souvent dit, la vie est compliquée pour moi. C'est dur de vivre. Alors, dans les périodes où je vais bien, mais ces périodes sont très courtes, tu vois, ça dure une semaine max. Quand je vais très très bien, ouais, c'est merveilleux. J'ai l'impression que je me dis, waouh, ouais, la vie est belle, comment j'ai fait pour pas aimer la vie? Mais sauf que la majorité du temps, c'est je comprends pas pourquoi je vis. Et a priori, ça, c'est plutôt proche de la bipolarité. Et donc, c'est mon psy, en fait.
C'est mon psychologue. Après le MDR, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le MDR m'a énormément fait de bien. Justement, après le MDR, j'étais très très apaisée, j'ai compris plein de choses, j'ai réussi à prendre de la distance. Parce que j'ai eu pendant la séance de MDR, on a retravaillé sur un souvenir qui était très violent et où en fait, j'étais persuadée d'être nulle, d'être vraiment la pire des dernières. Enfin voilà. Et du coup, le psy m'a fait comprendre que par rapport à ce qui s'était passé, je ne pouvais pas être intelligente parce que, en gros, mon père m'a réveillée à 22h. Je suis une très grosse dormeuse hein, depuis toujours. Et en gros, j'avais pas compris l'exercice de mathématiques. Et en fait, mon père est venu me chercher. Ma mère lui a dit que j'avais pas compris. Mon père est venu me chercher. Il m'a réveillée et en fait, il m'a mis devant l'exercice de maths et il me tapait derrière la tête en me disant « Mais tu vas comprendre !» Et moi, dans ma tête, j'étais « Mais je peux pas être assez intelligente pour comprendre !» Et je voulais être intelligente. Et en fait, le psy m'a dit « Mais même la personne la plus intelligente du monde, elle pourrait pas... Elle n'y arriverait pas en étant réveillée au milieu de la nuit, en se faisant taper dessus. Et ben, on peut pas Le cerveau, il bug, quoi. Donc en fait c'est tout bête mais des petits détails comme ça peuvent créer vos façons de penser toute votre vie en fait. Et c'est-à-dire que moi toute ma vie je me suis dit bah, je suis pas intelligente. Donc voilà, le fait d'avoir compris ça derrière, oh, mais ça a changé complètement ma vie parce qu'en fait bah, je me suis je dans tous les éléments, dans tout ce qui se passait dans ma vie, je pouvais me dire non, c'est pas parce que t'es pas intelligente. Voilà, et ça change tout en fait, ça change complètement le mécanisme. Donc je me suis sentie vraiment bien et apaisée pendant quelques temps. Et en fait, ça a recommencé. J'allais voir le psy et je lui disais mais je comprends pas, tout va bien dans ma vie elle est super et je ne vais pas bien, je me suis. Voilà. Donc finalement, il m'a dit, mais j'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas forcément le bon traitement, parce que je suis sous antidépresseur. Et il m'a dit, j'aimerais bien que vous alliez voir une psychiatre pour voir si c'est... Voilà. Ce que c'est. Et voilà, et j'ai vu la psychiatre l'autre jour et qui m'a dit... Qui m'a expliqué qu'en fait, voilà, c'est de la bipolarité. Et ça explique pas mal de choses par rapport à ma vie, par rapport à plein, plein d'éléments dans ma vie, en fait. Donc, il y a un côté où ça fait du bien. Je vais voir, j'ai un nouveau traitement. Donc, et moi qui dormais déjà beaucoup avec les antidépresseurs, j'ose même pas imaginer ce que ça va être. Mais voilà. Ah, attendez, je cause et du coup, je vois qu'il y a des messages. La première que j'ai de toi date de 2013. Ah ouais! Faudrait que tu me le renvoies, Séverine, parce que je dois même pas m'en souvenir. 2013, c'est l'année de naissance de Titouan, quoi. Ça a 9 ans, c'est fou. Petite écureuil, et là, tu es comment? En ce moment, bref. Non, en fait, justement, je vous ai expliqué tout à l'heure, en ce moment, ça allait pas trop parce qu'en gros, je travaille sur deux trucs. Et en plus, dans la vie, il y a des accumulations comme ça. C'est-à-dire que je travaille sur un projet et l'éditrice a changé en cours de route sans que je sois prévue. Et en fait, la nouvelle éditrice, alors que j'avais fait toutes les mises en couleur parce que on m'avait validé les croquis. L'éditrice me fait des retours sur tous les croquis, sur tous les dessins. C'est pas des croquis d'ailleurs, sur toutes les mises en couleur, sur tous les dessins. Et en fait, pourtant, je voulais vous dire que je faisais de l'EMDR et que ça allait mieux, hein. Mais j'avoue que quand j'ai reçu tous les retours sur toutes les images, eh ben, je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. En fait, il y a toujours à redire. Je fais jamais assez bien, il y a toujours quelque chose à redire. Enfin voilà, et donc. Ça repart sur oh là là, mais qu'est-ce que je peux faire pour réussir pour qu'à un moment dans ma vie on me dise plus rien. Et puis il y a eu en même temps le truc de la fresque. Donc en même temps, la fresque, on dit que ça fait super crado. Alors ça m'a vachement rassurée parce qu'on m'a dit que c'était pas de ma faute si c'était. Mais en gros, tout ça pour répondre à ta question, petit écureuil, c'est que bah, ça va pas trop parce que voilà, j'ai eu ces deux accumulations. Alors là, ça va peut-être. Vu que j'ai fini la fresque et qu'en plus vous me faites plein de vos compliments en me disant qu'elle est trop belle, alors du coup,
voyez, j'ai ça qui est passé avec l'éditrice. J'ai envoyé là. Avant, j'aurais pas osé, mais j'ai tout de suite répondu à l'éditrice. Bah, j'ai fait des mises en couleur. Moi, j'ai besoin qu'on instaure une façon de travailler pour pas que j'en souffre. Enfin voilà. Et maintenant, j'arrive quand même à poser les choses, ce qui est vachement mieux, ce qui est vachement mieux qu'avant. Et du coup, je pense que là, ça va remonter. Ouais, je suis partie à vous. Là, du coup, je suis vraiment en mode, ça y est, c'est le soir, on commence à... Je suis plus du tout en train de dessiner, je suis en train de vous regarder et de causer. C'est marrant. Et pourtant, tu es d'une intelligence artistique incroyable. Waouh, arrête, tu vas me faire pleurer, petit écureuil. Je suis au bord des larmes, déjà. Tu as plus belle intelligence, l'intelligence émotionnelle. Merci Séverine, franchement vos mots ils me font du bien, vous n'imaginez même pas. Ça c'est cool de pouvoir enfin mettre un nom sur quelque chose d'incompréhensible sur nos vies. Ouais, franchement ouais, je pense que même c'est dur pour moi parce que je me dis ok, il va vraiment me falloir un traitement, donc ça c'est le truc que je vais avoir à vie. Il va falloir que j'arrive à trouver le bon dosage, les trucs, ça fait quand même pas mal d'effets secondaires. Mais en vrai ouais. Si je peux ne plus me dire tous les 4 matins mais pourquoi je vis, à quoi ça sert, ça, je pense que ça peut m'aider vachement. Séverine, un trauma peut casser une grosse part en nous et merci aux psy car ce sont des soignants de l'âme tellement importants, on les oublie souvent. Ouais, et je suis et c'est aussi pour ça que je... Là, je vous en ai parlé à vous en direct, mais je voulais aussi mettre un message sur Facebook, mais il me faut le temps d'intégrer un peu cette nouvelle parce que c'est tout récent. Mais je veux en parler parce qu'effectivement, je trouve que c'est hyper important de parler des maladies mentales. Parce qu'en fait, ça commence, hein. Ça y est, on en parle de plus en plus, mais il y a encore pas si longtemps, aller voir un psy, c'est parce qu'on était fou. Donc voilà, je trouve que c'est hyper important de libérer la parole sur tout ça. Et voilà, donc j'en reparlerai, du coup. Oui, je t'enverrai une photo, elle est sur mon bureau. Trop bien. Petit écureuil, pareil, j'ai eu enfin un diagnostic d'une maladie qui enfin permet de comprendre ce que les médecins trouvaient incohérent avec ces maladies actuelles. Ils m'ont diagnostiqué le SED il y a quelques mois, qui se trouve être une maladie que j'ai depuis la naissance. Et c'est quoi le SED? J'avais jamais entendu parler. C'est rassurant car... Ouais, voilà, je pense qu'il y a ce côté-là, c'est que quand on est d'une certaine manière dans notre vie et qu'on se dit « Attends, je rentre pas dans les cases, il y a un truc chelou... » en fait, le fait de savoir pourquoi, ça explique tout notre mécanisme et ça aide vachement. Séverine, c'est bon de t'entendre rire. Ah oui, non mais oui, je rigole quand même. mais ça fait du bien aussi de parler du fait que des fois, c'est pas toujours facile. Syndrome d'Ehlers-Danlos. Et c'est quoi ce syndrome du coup? C'est drôle. Ah oui. Amel, plein de bisous, Laure. Tout ce que tu fais est magnifique, ne doute pas de toi. Merci beaucoup, Amel, c'est adorable. Je ressens que vous êtes une personne merveilleuse et sensible, et ça se ressent aussi dans vos dessins. Merci, Bérangère. Ça fait... Ça me touche beaucoup. Et c'est fou parce que j'en ai beaucoup des messages comme ça. Je trouve que j'en reçois beaucoup et chaque message, là encore aujourd'hui par rapport à la fresque, c'était une dame, c'était une langue étrangère, mais sur TikTok on peut faire traduire. Et elle disait que ça se voyait que pour faire un dessin comme ça, j'avais forcément une belle âme, quelque chose comme ça. Et je vous jure que je crois que d'avoir été tellement cassée enfant... ça fait que maintenant je peux recevoir tous les messages les uns après les autres et tous ils viennent me toucher et j'en ai besoin. C'est ça qui est fou, c'est que j'en ai toujours besoin de tous ces messages là, ils me font beaucoup de bien. Donc ouais, c'est... Donc merci à vous parce que vous êtes top. C'est une maladie rare qui touche les tissus conjonctifs dans les articulations, difficulté de cicatrisation, mais j'ai le plus soft donc pas trop grave. Ah ouais, ok. Effectivement, mais ouais, ça doit vachement t'aider quand même d'avoir un nom dessus, de pouvoir comprendre. Ouais, je comprends tout à fait. Bon, allez, je vais quand même peut-être continuer. Je me suis mise à causer à fond là, mais c'est Séverine, elle m'a trop émue.
Ça m'a fait trop plaisir. Ma première toile vendue, mon premier dessin vendu sur Ulule. Enfin, première, ouais, si, première peinture. Ça fait trop, trop, trop plaisir. Merci, merci pour tous ces soutiens. C'est incroyable. Bon, je sais pas. J'ai essayé de cacher un maximum ce contour de lune trop moche que j'ai fait. Je sais pas si ça marche. Faudrait presque que je revienne encore après par-dessus avec, avec d'autres trucs. T'as vu, Caroline? Je fais plein de points. Tu n'es plus seule. Mais ouais, ce serait trop bien un salon du coloriage. Hein. Franchement, ça me plairait trop. Ou un salon un peu de trucs art-thérapie, des choses comme ça. Ça pourrait être... Et voilà. Je pense que je reviendrai par-dessus avec, avec une couleur. Mais là, il faut que j'attende que ça sèche. Mais je pense que ça mériterait un petit lavis pour calmer, en fait. Je sais pas trop comment exactement. Plein de dessins remplis d'amour et de tendresse. Merci Florence. Mélanie, du coup certains ont colorié. Ah oui, est-ce qu'il y en a qui ont colorié ce soir? Ah, est-ce que vous voulez, on vous met le lien pour qu'on puisse partager tout ce qu'on a fait un peu ce soir? Et voilà, des points, des points, des points. Tu vois, je fais pareil que toi. Aurore, ça me plairait aussi un salon du coloriage. Mais ouais, ce serait trop bien. C'est bon de voir que t'as possible... Attends, ah oui, j'ai dû louper des messages. Ce qui engendre une hyperlaxité et donc des douleurs dans les articulations, des difficultés de cicatrisation. Mais j'ai la plus soft, donc pas trop grave. Ah oui, et Séverine qui a dit, c'est bon de voir ta positivité face à ta maladie, petit écureuil. Pas trop le choix, car j'en ai trois de maladies. Wow, punaise. Et tu sais laquelle je voudrais, mais tu ne l'as plus. Ah, tu dois parler d'une illustration, du coup. C'était laquelle, Séverine? Petit écureuil, après, depuis la naissance, j'ai l'habitude, car j'avais un souffle au cœur jusqu'à mes 5 ans et donc pas le droit de courir, et appris à faire avec et me poser. Donc, quand les autres maladies sont arrivées, j'ai appris à faire avec. Ah oui, d'accord. Oh, bah dis donc, t'es quand même... Ça demande quand même du courage, mais... Ouais, il y a un côté où je me dis que si on a ces choses-là, quand on... C'est peut-être aussi parce que parce qu'on doit vivre certaines choses, apprendre certaines choses. Moi après je suis vachement, j'ai un peu là depuis quelques temps, je me suis un peu ouvert à tout le domaine un peu spirituel. Donc du coup c'est vrai que j'aime bien ce côté de pouvoir se dire bah tiens, si on vit ça, c'est parce que on doit voir les choses comme ça pour vivre les choses comme ça. Enfin, ça m'aide, je trouve, à accepter. Ah, génial! Il y a pas... Sam, tu peux venir remettre les liens? Il y a Patricia qui a envoyé son coloriage. Ah ouais, il y a plein de coloriages. Bah, trop bien. Je demande à Sam qui vient de vous mettre les liens. Moi, j'ai un SGS et pareil, j'ai des douleurs 24 heures sur 24, mais on doit aller de l'avant et la maladie rend plus fort. On apprend à vivre avec et voir le côté positif. Oui, c'est vrai. Et effectivement, je pense que pour tout le monde, la vie est faite d'épreuves. Mais du coup, Séverine, quand tu me dis la femme et le renard, c'est que tu as vraiment en tête une illustration que j'aurais fait. Est-ce que tu pourrais me la renvoyer, Séverine, celle que j'aurais vendue, parce qu'en fait, je ne vois pas... Je vois pas laquelle c'est. Parce que du coup, je m'en inspirais pour ton dessin. Sam vous a mis les liens. Comme ça, on va pouvoir regarder un peu tout ce que vous avez fait. Euh,
Ah ouais, j'ai une peinture acrylique liquide. Je vais peut-être tenter ça pour venir un peu justement calmer là ce fond qui est fait de plein de trucs. Je vais aller chercher ça. Je vais voir si ça peut faire l'affaire. Petit écureuil, on peut t'envoyer un autre Séverine. Merci pour ce partage. De rien. Oui, envoyez, franchement, envoyez vos dessins, ce sera cool. J'ai fait crayon de couleur et utilisé mes feutres à alcool et c'est une première. Ah, cool, on va découvrir ça, génial. Sam, tu crois que tu peux venir pour qu'on regarde les... Quoi ? Non, mais pas de soucis. C'était juste te dire que apparemment les dessins sont envoyés. Et j'ai le temps parce que je voulais essayer de calmer un peu le fond, ce que je disais tout à l'heure. Alors, je vais quand même appuyer ici pour pas que ça... Sinon, je vais avoir une espèce de rose chelou. On va essayer quand même en... Avec un peu pas trop fort. Ouais, c'est ce qui me faisait un peu peur, ça. Je sais pas si ça va recouvrir ou ça va me garder un peu le fou quand même. Non, ouais, ça recouvre quand même vachement. L'acrylique, même quand elle est liquide, elle est encore vachement opaque. Hein. C'est ouf. J'ai mis un peu d'eau. Bon là, pour le coup, ça fait vraiment beaucoup d'eau. Je sais pas si le papier va trop kiffer quand même. Je repasse par dessus sinon ça fait des traces et c'est pas grave, après je reviendrai par dessus pour repasser par dessus l'oreille pour qu'elle repasse. Moi je crois que je préfère presque comme ça quand même, le fond est quand même moins fort quoi, pour faire ressortir les deux personnages c'est un peu mieux. Tac. Voilà. Et en fait, je peux même venir avec un truc comme ça. Là, j'ai pris un feutre un peu marron. Et je repasse juste les contours. Est-ce que vous avez tous envoyé vos dessins là, du coup ? C'est bon pour vous ? J'attends juste Sam, en gros, dès que Sam est là, on regarde les dessins. Il était juste en train de terminer un truc. Je ne sais pas ce qu'il fait. Le voilà, l'homme tant attendu. Il est là. Acclamé, Samuel, mon donneau. Et oui, il a même pas colorié ce soir. Il aurait pu, hein. Ouais, j'ai fait d'autres choses.
Ouais, ça a permis que tu mettes les petits dessins d'Inktober. Ouais. Attends, est-ce que je passerai pas... Peut-être passer les trois des dessins et les remettrai après le live. Comment ça? Pour que les gens... Bah parce qu'il y a une enfant qui a posté, ça serait peut-être mieux qu'on le voit pendant le live de dessin. Demain. Ah, comment tu vas faire du coup? Je vais juste noter les noms des gens et je vais les... juste après, et après je les remettrai. Comme si c'était pas vu. T'as un crayon, un stylo, un truc, s'il te plaît. C'est dommage que tu puisses pas sauter. Aller directement, il n'y a pas un moyen comme ça. Anne, alors attendez. J'ai fait crayon de couleur et utilisé. Ah oui, ça je l'avais vu. Je ne sais pas si l'envoi de la photo a fonctionné, dit Aurore. Bah là, on en a plusieurs. Et c'est cool parce que je vois que je pensais pas qu'il y avait qu'il y aurait plusieurs coloriages comme ça. C'est cool. Je ne sais pas si vous avez reçu mon coloriage. Je pense que oui, parce que là, j'en ai plusieurs qui ont l'air très très chouettes. Ça, Aurore dit, ça a l'air d'avoir bugué. Je pense pas, les filles. Vous nous direz, mais je pense que ça a marché. On en a plein, dont certains qu'on a en plusieurs exemplaires. Donc, est-ce que ça... Ouais, tout le monde a l'impression que ça s'est pas passé, mais je pense que si, parce qu'on en a pas mal. Ouais. Attends, on a aussi... C'est Valérie Scrap. C'est pour ça qu'on essaie d'être là tous les jours en octobre. Hop, donc j'ai celui de Mélanie en ligne. Ouais, génial! Oh, c'est cool! Ça fait trop plaisir! Franchement, en fait, j'étais vraiment en train de colorier en même temps que... C'est trop cool! Bravo, Mélanie! Excellent! Non, t'inquiète, Aurore, je la reçois. Même si ça plante... Dès que vous avez... Au début, dès que vous avez la première étape qui est faite, moi je le reçois. Et après, si vous n'arrivez pas à faire les traitements, c'est pas grave. Enfin, à valider les trois trucs d'après, c'est optionnel. Je te montre au suivant. Ouais. Ouais. Oh, dis donc, Anne, comment t'as fait ça? C'est classe, t'as vraiment fait un effet par rapport à la lune. Ça marche trop bien. Le mien, c'est celui du live ce soir que j'ai dessiné sur Boston et que j'ai fait. Je te l'ai passé, je vais te le remettre. On l'a reçu en tout premier et comme un boulet, je l'ai passé parce que je pensais que c'était à mettre pour. Je vais te le remettre après. Tu veux le suivant, maman ? Ouais, il est trop beau, Anne, bravo. Je te laisse commenter. Ouais, la lune est top, c'est ce que je disais. J'attends, j'ai demandé à Anne comment elle avait fait sa lune, s'il y avait un truc spécial. Mince. Anne, en prenant la pointe du pinceau... J'ai fait des bêtises. Alors, attends, excusez-moi. Ce que je fais, c'est que je te montre celui-là et je vais corriger tout ce que j'ai fait parce qu'on est passé plein sans faire exprès. Ah. Je te mets celui-là, une petite écureuil et je rends les autres. Ah, il est trop beau. Du coup, c'est ouf, on a presque l'impression que tu l'as fait sur... Il est fait à la main ou sur ordinateur? Ouais, moi aussi j'ai vu passer une broderie. Il faut remercier Sam pour le super site qu'il a refait et toute la technique qu'il coordonne pour les lives. Ah, bah, je pense qu'il m'a entendu, mais ouais, t'as raison. La boutique, il a travaillé comme un ouf dessus. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et c'est vrai que là, tous ces lives, ce serait pas possible sans lui. Moi, je sais pas du tout mon truc. Donc, tu es remercié. J'ai entendu, merci beaucoup. Polychromo, c'est feutre à alcool. Ouais, c'est impressionnant les feutres à alcool. Quand tu les maîtrises bien, ça a vraiment un côté numérique. C'est chouette. Une seconde. Non, si, c'est ça. Celui-là, c'est celui qu'elle a fait ce soir. Oh, il a l'air trop cool. Fais gaffe qu'il soit bien en couleur. Valider. Hop. Et je remets. Là, c'est celui de Patricia. Tu
Ah, il est trop trop beau. C'est génial. J'adore même l'arbre avec la petite porte et tout. Ah, il est trop beau, Patricia. C'est cool, t'as assuré. Il y a un petit écureuil qui dit trop beau, Patricia. Donc ensuite, celui de Anne, que vous avez vu en broderie. C'est impressionnant. C'est ouf. Faire de la broderie comme ça. Donc du coup... Ah, du coup, c'est Anne aussi. C'est la même Anne. C'est incroyable, hein, cette broderie. Elle est belle. En plus, tes couleurs, elles sont chouettes. Ça doit être hyper dur de faire un visage comme ça en broderie. Franchement, félicitations. Hein, magnifique. C'est bon ? Ouais. Et enfin, celui d'or, Electra. Excellent. T'as fait les petits points aussi. Trop chouette. Oui, c'est la même. Ah, excellent. Bon, ben, trop, trop forte. Eh ben, je vous dis un très, très, très grand merci pour cette belle soirée. Merci de nous avoir aidé à monter à 115% sur Ulule. C'est trop, trop cool. Et puis... petit écureuil, les dessins que tu m'as permis de faire sur un tableau, les infirmières l'ont accroché sur le mur de leur service. Ah, c'est trop cool, c'est classe. Ah, il y a Séverine aussi qui a dit waouh, la finesse de la broderie. Tout le monde est impressionné par la broderie. Hein. Et ben, ça me fait trop plaisir, c'était hyper cool de partager ce moment-là avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée et demain, ce sera 20... on se retrouve à 20h30. Oui, tout à fait. Du coup, je vous dis à demain à 20h30 pour le Inktober. Bisous, bisous. Merci pour cette super belle soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.